Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les associations ont, depuis le début du 19e siècle, participé à la construction des sociétés démocratiques et que, paradoxe, ce rôle est très peu reconnu encore aujourd'hui et pendant tout le 20e siècle, puisqu'on a concentré les débats économiques et politiques sur le débat plus d'État ou plus de marché, et on a oublié en fait le pôle qu'on pourrait appeler de la société, c'est-à-dire celui constitué par les citoyennes et les citoyens organisés. Oui, c'est donc, il y a un problème de reconnaissance qui explique que leurs subventions régressent. On a l'impression que les associations ne sont pas véritablement essentielles dans notre société, ce qui, je crois, est fortement contestable, hein, puisque les associations permettent, dans bien des cas, de répondre à des besoins sociaux avant que le marché ou l'État ne puisse les identifier. Mais au-delà des besoins sociaux, elles permettent également de répondre à des aspirations. Et je crois que par rapport à l'ampleur des défis écologiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés, il est très important de ne pas négliger ce pôle associatif. Les revitaliser, c'est, je crois, opérer déjà un changement. Aujourd'hui, on regarde l'association un peu comme si elle avait toujours des manques, si elle était frappée d'amateurisme, si elle était dangereuse à certains égards. Je pense qu'il faut changer cette défiance et s'engager dans un rapport de confiance avec les associations. Si des citoyennes et des citoyens s'engagent, faisons-leur confiance. Et les modalités de financement doivent être aussi le produit de cette confiance, permettre aux gens de tester ce qu'ils veulent faire et ensuite d'être effectivement plus reconnus pleinement et pas simplement dans les discours, mais aussi dans les modalités à travers lesquelles ils sont soutenus et accompagnés. Le CESE est un espace tout à fait particulier de dialogue et par rapport à ce qui a été l'habitude des institutions vis-à-vis des associations, c'est-à-dire une régulation tutélaire où on fixe les normes de manière descendante à partir du pouvoir central, ou la régulation concurrentielle où on soumet les associations finalement à une compétition entre elles. Je crois que le CESE est un espace dans lequel il est possible de réfléchir à une troisième forme de conventionnement, une troisième forme de régulation qui ne soit plus les deux premières, mais qui permette véritablement de voir comment est-ce que associations et pouvoirs publics peuvent s'engager dans une co-construction, dans une négociation sur des conventions d'objectifs. Je crois que la composition du CESE doit l'amener à réfléchir de manière particulièrement pertinente dans cette perspective.